Seigneur, la dactylo, c'est bien ça? À qui t'écris? J'écris à Lucette. Ne sais même pas lire. Ça fait rien, moi, je sais pas écrire. Comment ça, tu sais pas écrire? Pas pour faire des belles phrases, en tout cas. Mais ça fait rien, je vais y envoyer pareil. Tout ce que j'y marque, c'est « Papa t'aime, papa t'aime ». Pas besoin de savoir lire, ben d'écrire, comprendre ça. Oh, pas de « S » à « t'aime ». Tu t'ennuies tant que ça. Ce que je comprends pas, Marie, c'est pourquoi tu les as laissés partir, Flore pis elle. Ça, je comprends pas ça. Ben, moi, ce que je comprends, c'est que t'as du chagrin, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait à Flore, moi? Peux-tu même me le dire? Qu'est-ce qu'il a pris? Peut-être que tu pourrais lui écrire à Flore aussi, hein? Lui dire que tu t'ennuies, juste ça. Pour Karine, moi. Si c'était pas de Lucette, là. C'est une bombe que j'y enverrais par la malle. Une grosse bombe pour elle pis son macro. PAU! Clairer la place un peu. T'en as aussi de la douceur, Pierre-Paul. Puis beaucoup de chaleur avec le monde que t'aimes. Je trouve ça triste, ce qui t'arrive. Sais-tu ce que je ferais à ce gars-là si je le pognais, moi? Non. Je préfère pas le savoir. Je l'assoirais sur le pignon de l'édifice Price, là. Puis j'y rentrerais le piquant. Ah ben, je passerai un rouleau de fil de barbelée entre les jambes. Ça t'apprendra à modérer ses transports. Ça t'avance à rien de dire toutes ces idioties-là. Change donc ton discours un peu. Puis écoute ton chagrin pour vrai. C'est lui qui va te dire comment t'en sortir. Moi, je suis certaine qu'il y en a eu une solution pour toi. Tout ce que j'espère, c'est que Flore... Elle, je veux plus n'entendre parler de elle. Non, sérieusement, Marie. Si jamais je mets la patte dessus à ce gars-là, là, j'y fais la job. La job au complet. Je serais peut-être pendu après, mais au moins j'aurais eu mon fun. Ah, écoutez, c'est une dépêche incroyable. La nouvelle bombe atomique, l'une des grandes découvertes des temps modernes, cause des dégâts terrifiants dans Hiroshima. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une arme nouvelle que les Américains ont essayée hier au Japon. C'est l'équivalent de 20 000 tonnes de TNT. Les dégâts sont tellement considérables que les Japonais n'arrivent pas à les évaluer. C'est ça que ça me prend. Comment vous appelez ça, là? Atomique? C'est ça que ça me prend, Marie. Moi, je veux une bombe atomique. Oh, dis pas de niaiserie. Non, il y a très peu de détails. Les savants canadiens auraient travaillé à la fabrication de cet engin-là. Des répercussions vont être incalculables, à ce qu'on dit. My God. J'ai envoyé ça par la malle à ce gars-là. Puis, PAH! Pierre-Paul! Ben quoi? C'est bon pour les Japonais, c'est bon pour les macros? C'est incroyable, cette histoire de bombe. On parle maintenant de 100 000 morts. Tu te rends compte? C'était rien qu'une bombe, ça. Rien qu'une. Oui, on n'arrive pas à imaginer ça. 4 000 carrés du centre-ville d'Hiroshima. Tout est rasé, puis ça s'est fait en une seconde. C'est la fin des guerres. Ça sera plus possible après ça. Ou la fin du monde, oui. Oui, peut-être. Écoute, je t'ai demandé de venir parce que je m'apprête à régler la vente de la maison définitivement, puis je voulais pas le faire avant qu'on en discute une dernière fois. Tu la mets en vente? Tancred a accepté le poste qu'on lui offre. C'est ce qu'elle est allée régler à Montréal. Alors, je vais téléphoner à l'agent d'immeuble. Mais c'est entendu qu'on quitte pas la maison tant que Camille est pas revenue, hein? Puis que t'es pu t'installer. Puis Michel, lui? Ben, j'ai demandé à Tancred de voir s'il pouvait pas l'inscrire à Sainte-Marie. Ça éviterait de le changer de système. C'est des jésuites là-bas aussi. Ça va faire drôle, hein? La maison, c'était comme pour toujours. Avant longtemps, tu vas la voir, ta maison, toi aussi. Oui, maman. Ne crains pas. Je me suis faite à l'idée. J'ai compris. C'est pas facile pour moi non plus. On va trouver une grande maison, Tancred, puis moi, t'auras toujours ta chambre. Oui. C'est juste la contradiction qui me fait rire.
On a hâte de grandir, de vieillir, mais en même temps, on voudrait que rien change autour de soi. C'est un peu égoïste, au fond. Tu changes pas d'idée, tu continues à l'avant. Denise Fortier m'a offert sa chambre, maman. Alors, je vais prendre ça jusqu'à ce que Camille revienne. Puis après, on verra. Mais voyons, mais non, c'est entendu, on quitte pas tant que Camille n'est pas rentrée. Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute, Cinq Toupies. Quoi? Qu'est-ce qui est de ta faute? Mais la bombe. La bombe atomique. Mais voyons, Pierre-Paul, qu'est-ce que tu racontes? Mais Marie, tu t'en rappelles pas? Je parlais tout le temps d'une grosse bombe pour te laisser à la place. Mais elle est arrivée. Ce que je dis, ça arrive. Quand je dis de quoi, ça se passe. Cinq Toupies, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur de moi. Ben voyons, mon oncle. Vous êtes pas pour vous mettre à croire des choses comme ça. Il y a pas de relation. Je pensais ça, moi aussi. Mais ça arrive, je te dis. Ça arrive tout le temps. J'ai 100 000 morts sur les bras à cette heure. Puis je le savais même pas. Viens-tu fou, Pierre-Paul? Faudra que je fasse bien attention à tout ce que je dis, moi, là. Bon, ben, alors souhaite que Flore revienne, hein? Qu'elle t'écrive, au moins, puis qu'elle revienne. Tu penses que ça marcherait? Ben, je le sais pas, c'est toi qui le dis. Si t'as des pouvoirs, utilise-les au moins pour une bonne cause. Pardon, monsieur. C'est ici la maison de la famille Rousseau? C'est quoi, ici, vous cherchez? C'est que je cherche à rejoindre Mademoiselle Flore. Je crois qu'elle a travaillé ici déjà. En Gaspésie, Flore est partie en voyage. Oui, je sais ça. C'est son adresse que je cherche. Vous êtes un membre de la famille Rousseau? Oui, pourquoi? Parce que je voudrais lui écrire une lettre. Vous êtes qui, vous? Oh, un ami. Oh, vous pouvez me faire confiance, M. Rousseau, je suis un bon ami de Flore. Ah ouais? On a travaillé longtemps ensemble à l'Arsenal. Flore, elle travaille plus ici depuis 3 ans. Je suis passé chez elle, mais il n'y a personne. Nous avons gardé beaucoup d'affection pour Flore. Beaucoup. Qui ça, nous? Ceux qui l'ont connue. À l'Arsenal. Alors, on voudrait lui écrire un petit mot. Excusez, mes yeux fatiguent vite au soleil. On n'a pas ça, cette adresse-là, nous autres. Comprenez, on n'a jamais eu besoin d'écrire. Comment ça se fait que vous saviez qu'elle était partie en Gaspésie? Ah, ben, elle me l'avait dit. Elle vous a pas donné d'adresse? On devait se revoir, elle devait me donner tout ça, mais j'ai pas eu de nouvelles. C'est pour ça qu'on s'inquiétait un peu. C'est de valeur, là. Je peux pas vous aider. Personne ne saurait? Non, je suis sûr que non. Non, Flore, c'était rien que la bonne ici. En tout cas, si quelqu'un a des nouvelles, faites-lui donc savoir que Marcel Gagnon la cherche. Au revoir, M. Rousseau. Je l'ai vu. Cinq Toupies.
Soupy, je l'ai vu. Marie, je l'ai vu. Qui, ça? Le gars. Pierre Paul, explique-toi, t'as vu qui? Le chum à Flore. Marcel Gagnon. C'est comme ça qu'il s'appelle. Tu l'as vu où? Puis je l'ai même pas tué. Bon, veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? T'as vu qui, puis à quel endroit? Il avait les yeux pleins d'eau. Hey, Marie, il l'aime. Il l'aime pour vrai. Il l'aime. Ah, oh, ben ça est bonne. C'est un pauvre diable. Il est pogné d'amour, lui, ici. Mais Marie, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Qu'est-ce que vous faites dans nos vies, vous autres, les femmes? Les Américains l'ont fait une deuxième fois, maman. Nagasaki effacée de la carte du monde. Nagasaki, ville de 252 000 habitants, a été volatilisée en un instant, hier à midi, lorsqu'un bombardier super forteresse a lâché la deuxième bombe atomique de l'histoire. Ça n'a pas de bon sens. La guerre ne peut pas continuer. C'est pas de ma faute. J'ai pensé à rien. Je me suis forcé pour pas y penser à la bombe. J'ai parlé à personne. Ce fois-ci, c'est pas moi qui est coupable. Mais vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire? Même si les Japonais sont nos ennemis... C'est ridicule, des pansements pour la Croix-Rouge. À quoi ça peut servir maintenant? En tout cas, c'est pas moi. Hey, Marie, j'ai même pas pensé une minute à y faire de quoi, à ce gars-là. J'étais trop surpris. C'était pas pantoute le gars auquel je m'attendais. Je te dis, il fallait que je me retienne. On aurait pu se faire chum, toi et deux. Eh bien, voilà. Et puis, j'ai terminé par une visite à l'hôpital militaire. C'est pire que le champ de bataille. Des visages, des corps ravagés. Ça, on ne peut pas imaginer. T'as fait un bon voyage quand même? Oh oui, excellent. Ben, le travail s'annonce énorme. Mais l'équipe le semble très, très intéressante. Enfin, c'est d'urgence partout, all right? Parce que les mutilés, ce n'est qu'un des aspects de la question. Les hommes rentrent par dizaines de milliers. Le retour à la vie civile pose toutes sortes de problèmes que personne n'avait prévus. Hein. La radio annonçait au souper que le Japon demande la paix. Oui, 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 non, je sais, oui, on nous a dit ça à bord du train, oui. Eh ben, ce serait la fin du cauchemar, thank God. Mais notre charge va s'en trouver alourdie, hein, encore davantage. Le corps expéditionnaire d'Orient va répliquer maintenant, en plus. C'est vraiment le défi de ma vie qui commence. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de toutes ces journées? Moi, bien, je me suis occupée de la vente de la maison. Ouais, l'agent dit que ça peut se faire très vite. C'est très recherché, paraît-il, une maison par des bras. Et Colette? Colette, oh, aucun problème, aucun. L'histoire de la bombe atomique l'occupe bien davantage. Vraiment? Ça semble très grave pour elle, pour sa génération. Mais elle commence sa vie, elle sait bien qu'il va falloir qu'elle vive avec ça désormais. Mon pauvre chouette. Je la trouve émouvante au bout du compte. Oui. Eh bien, ces enfants-là ne sont pas trop mal réussis, Madame Rousseau. Oui, mais c'est la guerre qui va les avoir éduqués, finalement. Pierre-Paul, tu penses pas que tu pourrais t'habiller, te raser un peu puis aller travailler? Tu vas perdre ton poste. Ils t'attendront pas toujours. Fais bien attention à ce que tu vas me faire dire ou ce que tu vas me faire penser. Parce que ça va se passer si je le dis ou si je le pense. Tu vas pas continuer dans cette folie-là? Pourquoi tu penses que je fais rien te lire? C'est pour m'empêcher de penser à des affaires. Quand je me rappelle ce que j'ai pu dire de ce pauvre exabolé. De qui tu parles? Marcel Gagnon, le chum à Flore. Quand je parlais d'Idi Passin ou l'autre fil barbelé, hein. Tiens, regarde ce que tu me fais faire, là. Il en veut-tu tant que ça, ce gars-là? Il me semblait que c'est toi qui lui en voulais. Moi? Que je n'en veux pas pantoute? Lui, c'est la victime. Comme moi. On est toutes des victimes, nous autres, les hommes. Ah oui? Victime de quoi, au juste? Ben, de vous autres. Les femmes? De nous autres, les femmes! Alors, toi, t'es ma victime. De toi, je joue ça un peu, t'es rien que ma sœur. Mais de Flore, elle, je suis sa victime en masse. Puis comment on fait pour vous martyriser tant que ça? C'est bien simple, c'est une toupie, faites rien qu'à votre tête.
Oh, tu penses que vous avez toujours raison? C'est un droit acquis pour vous autres, les hommes, ça. Tu penses que les femmes peuvent pas réfléchir par elles-mêmes? Mais non, c'est pas ça qui est important. Oh, tu mêles tout, c'est une toupie. Nous autres, on donne les ordres. On peut se tromper. Mais il faut que la femme, elle obéisse. Puis qu'elle s'organise par en dessous pour arriver à ses fins, pour nous faire faire ce qu'elle veut. Penses-tu que Flore est pas capable de faire ça? Elle n'y a qu'à minauder un peu, puis je la suis partout comme un petit chien. Comme un petit chien, puis t'es fier de ça? Comme a dit Flore, je connais Matelas, je connais mon rang. Faut croire que Flore a trouvé le bon moyen de te faire réfléchir, en tout cas. Pourquoi tu dis ça? Faut croire que le minaudage, c'était pas suffisant. Il a fallu qu'elle prenne les grands moyens. Tu vois, toi aussi, t'es pas fine avec moi. Je suis ta victime, là. Juste là. Bon, de toute façon, tu sais même pas discuter. Bon. Maman, tonton Tancred. Ah, mon oncle Pierre-Paul, une lettre pour vous. Puis parfumée en plus. Flore, c'est une lettre de Flore, mon oncle, regardez! Bon! Tu peux sacrer ça au panier, ça m'intéresse pas pantoute. Mon oncle? Tu peux aller si tu veux, mais parle-moi-en même pas. Je savais qu'elle s'en venait, cette lettre-là. J'avais dit dans ma tête à Flore de m'écrire. J'avais donné l'ordre, dans ma tête, de m'écrire tout de suite. Juste pour voir c'est qui est le boss. Mais si elle pense que je vais la lire en plus, il s'en faut large! Maman! Laisse faire, ton oncle a décidé de faire son charmant aujourd'hui. Ça sert à rien de s'obstiner. Pose la lettre sur le manteau de la cheminée, il va la lire quand il va finir de bouder. Non, je la lirai pas! Veux-tu ou pas sortir de ta misère? Quand je dis quelque chose, c'est parce que c'est ça. Oh, tu meurs d'envie de la lire, la lettre de Flore, comme tu meurs d'envie d'avoir une bonne relation avec elle. Une relation de respect puis d'admiration mutuelle. Alors moi, si j'étais toi, je réfléchirais un peu. Au lieu de tenir des discours insensés que tu crois même pas. Prends une décision une fois pour toutes. Écoute ton cœur ou bien ta vanité. Mais cette décision-là va régler tout le reste de ta vie. Papa avait raison. Tu tiens de long qu'à ce corps, toi. Tu te prends pour le clocher de l'église, tu penses que tu résonnes plus fort que tout le monde. Je pense pas que je saurais dire beaucoup dans une lettre. Parce qu'écrire, c'est pas comme dire, et parce que je saurais peut-être pas trop quoi dire non plus. Seulement, je pensais que t'avais droit d'avoir des nouvelles de ta fille, qui va très bien, comme tu peux voir sur le portrait que maman a pris, avec le Kodak du curé, et qui souvent demande où c'est qu'il est, papa. Je sais plus trop quoi faire avec toi. Parce que je pense que personne ne peut me taper sur les nerfs comme toi, tu me tapes dessus. Mais il faut voir que je m'ennuie aussi des fois des folies que tu faisais maintenant. Ce qui est une grosse folie à moi, que je pense. À la confesse, le curé m'a dit qu'il fallait que je retourne. Mais je sais pas si je vais être capable. Pas tout de suite certain, en tout cas. Fait que je savais pas s'il fallait écrire ou bien attendre. Seulement, je sais que tu dois te morfondre gros pour la petite. Alors, je me suis comme obligée, parce que je veux pas que tu t'inquiètes trop. Elle est correcte. Et moi, pas si pire. Je t'espère en bonne santé.